va travailler sur One of Ten, les amis. On va passer au Télétra Live. Borborygme. Punaise. Ouais, GG, c'est les deux. Bruit de voix incompréhensible et bruit de ro, en gros. Hein. Il a fait un logo. Excellent titre. En tout cas, GG, c'est les deux, ouais. Tu aimes GG pas du tout. Je préfère Pierre le Pigeon. Et Chantal, la voisine. Enfin, bref. En vrai, non. Ils sont sur ma liste noire, mais bref. Attendez, bougez pas. On va changer le titre du live. Je design un... Non. On va mettre devenir le meilleur dresseur. J'y arriverai sans répit. One of ten. Ok. Greg le coiffeur, bien sûr. Y'a pas de Greg le coiffeur dans le chat. J'ai le borborygme. Putain, le mot borborygme. À midi, un record. Eh oh! Calmos, toi. Ok, joue Figma. Je vais quitter Twitch pendant 2 mois, le temps de redevenir Pierre qui roule. Attends. En vrai, Pierre le Pigeon et Pierre qui roule, ça va. T'es resté Pierre en un sens. Alors que Eziol qui devient Chantal la voisine. Ça c'est chiant. ça casse les couilles. Ok, j'ai fait ma réunion avec One of Ten. On a validé pas mal de choses. Nous devons faire quoi? On va cleaner un peu tout ce dont on n'a plus besoin globalement. Donc la sidebar, elle a dégagé. On va enlever un petit peu ça. Ici, ça dégage. Ça dégage pas. Hop. Ça. Alors eux, ils voudraient bien un coef qui reprenne leur couleur, parce que leurs utilisateurs sont habitués. Attendez, avant de dig deep dans le sujet, est-ce qu'il y a des gens qui veulent un petit rappel du sujet? Vous voulez un petit rappel du sujet ou pas? Vous voulez un petit rappel du sujet ou pas, la team? Pour ceux qui ne connaissent pas One of Ten, déjà vous pouvez pusher le point d'exclamation One of Ten dans le chat, tout simplement. Je veux bien, moi je connais pas. Ok, One of Ten, c'est un outil pour aider les créateurs de contenu sur YouTube à trouver des idées de vidéos, à trouver des idées de titres et de miniatures. Par exemple, si on tape Chantal la voisine, on retrouve des miniatures et des vidéos en rapport. Évidemment, c'est un peu nul, donc on va plutôt taper YouTube. Des vidéos qui parlent de YouTube sur YouTube, bien sûr, ça existe. Et voilà, on a des miniatures et des vidéos, des sujets de YouTube. Voilà. On peut aussi faire Twitch, on peut faire de design, voilà, c'est des sujets, quoi. Tout simplement. Oula. Bizarre. Voilà, vous avez compris. Et donc, on va... on a redesigné tout ça. Je peux vous montrer l'actuel, si vous voulez. Hop. Et en gros, ça ressemble à ça, mon redesign aujourd'hui. On a le logo One of Ten en haut, on a les liens, on a la petite barre de recherche en haut, on a le bouton Surprise Me qui permet d'avoir une vidéo au hasard. Ouais, les clients, ils aiment bien. Hein. On a le compte, on a ici la possibilité d'en voir un peu plus, ici on a la possibilité de voir plus en détail ou moins en détail. On a ici un petit plus qu'on a rajouté avec le client pour voir la suite ou en rajouter des recherches favorites. On a les filtres ici qui s'ouvrent sur le côté. Et on a les boutons Similar Topic, Similar Thumbnail pour continuer notre recherche. Et Bookmark et d'autres actions ici. Voilà, tout ça a été plus ou moins validé. Le mode simple, c'est pour naviguer de façon simple. Et le premier retour que je vais prendre avec vous, c'est les couleurs. Alors, attends, je vais ouvrir mon Discord. Je vais dans mon dossier, enfin dans ma conversation One of Ten. Ah, je vais mettre le message de Ballot en non-lu. Marqué comme non-lu. One of Ten Design, et donc... Hop. Et donc... Où sont les couleurs exactes? Voilà. Donc, je vais mettre à jour les couleurs des tags. Des tags qui disent si la vidéo a beaucoup performé ou peu performé. Pourquoi? Je vais mettre une musique un peu plus chill. Hop. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un plugin associé
il y a un plugin associé et les utilisateurs sont habitués aux couleurs de ce plugin et ils veulent que même s'il y a un redesign, garder la scale de couleur actuelle. Donc moi, en vrai, ça me dérange pas, comme mon interface elle est déjà très très monochrome. Il n'y a pas de souci. Tac. 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 Alors, c'est les bonnes couleurs, ça ? D'ailleurs, j'ai fermé le site 1 of 10. Attends, je vais revenir. 1 of 10. Ok, ça a l'air d'être les bonnes couleurs, sauf que le texte est blanc. Honnêtement, je vais pas vous mentir que moi, j'aime moins. Mais en vrai de vrai, bah écoutez... c'est le client qui décide cela, évidemment. Et c'est surtout pour que les utilisateurs soient habitués. Alors juste... Tac. Ok, j'aurais dû faire l'inverse. C'est quoi ça? Hot. Hot. On dark, ok. Non, l'inverse, c'est pas grave. No. Ça va pas marcher, je suis sûr. Ça marche pas comme ça, Figma. Non. On va faire autrement. On va faire ici hold. Ça, c'est les hold. On va faire comme ça. Hold. Version et version. Version. 1. 2. Astuce Discord, alt clic du message marqué comme non lu. Ah ok, moi je faisais 3 petits points à chaque fois. Ok, j'arrive la team. Boum. Voilà. Ça se met à jour. Oh pardon. Ah merde, j'ai oublié de faire un truc. Histoire de pas perdre ça. Pomme alt C, pomme alt V. Ah merde. Hop. Si vous avez des questions, vous me coupez. Hein. Là, je suis passé en mode tryhard. Mais toutes les questions sont les bienvenues, c'est pour ça que je fais ça en live. Ici, je peux vous apprendre des choses, ou si vous me demandez comment je fais un truc, c'est l'occasion. Ou un truc sur le projet. Voilà. Ah, ça, c'était mes couleurs. Ça, c'était mes couleurs ici. Hop. Et surtout, on va pas utiliser du vrai blanc pour les textes parce qu'on veut pas que ça switch et du coup on va utiliser la variable fix white et fix dark parce que c'est une couleur qui changera pas en fonction du thème. Ok, donc là on a les nouvelles. Alors est-ce que ici ça fait 24, ici ça fait 24, tout est bien aligné. Ici, alors ils ont il y a ça qu'il faut que je fasse aussi. Ils ont décidé de sortir le multiplicateur. Le rouge plus texte noir marche pas. C'est blanc. Ils ont décidé de sortir le multiplicateur de la vidéo. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, ils trouvent ça plus lisible en mode detailed de sortir le multiplicateur devant le titre. Sauf que, ils aimeraient aussi qu'on puisse écrire les noms des vidéos sur deux lignes. Et là, je ne sais pas du tout comment faire sur Figma. Parce que je vais vous montrer ce que je dois faire. Je dois faire ça. Et si quelqu'un a une idée, vraiment là, je sais pas du tout. Est-ce que quelqu'un sait comment faire ça sur Figma? Un texte qui fait ça. C'est pas possible, je pense, hein, mais ça casse les pieds. Hein. Pourquoi je peux pas écrire? Je peux pas écrire, c'est bizarre. Ah, je dois être dans une frame. Est-ce que quelqu'un sait faire ça sur Figma? Ah, text indent, mais oui, bravo Matt. Le text indent. Vas-y. T'es un BG toi ou pas? Toi t'es un BG. Je t'aime. Ouh, pardon. Vous avez entendu ce que j'ai dit ou pas? Je t'aime mec. Ouh, pardon. C'est chaud ou pas? Je t'aime. Oh, pardon. Bug. Je teste un peu. Le micro, un petit bug de micro, je t'aime, oh, pardon. C'est pas très visible, je trouve, tu devrais les aligner à gauche. De quoi tu parles,
les aligner, c'est quoi? Regardez, donc la technique de je t'aime, c'est de mettre une indentation que je sais tout à fait faire. Hein. C'est pas genre, c'est la première fois que je le fais en vrai, hein. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout la première fois que je fais ça. Du coup, là, je suis carrément, je sais exactement où était l'option. Voilà. J'avoue que j'ai du mal avec l'indentation en version digitale. Tab. Non, parce que tab, Chantal, si on change le texte, la tab, elle va sauter. Faut que ça reste dynamique. Et ouais, ma gueule. Et ouais, ma petite gueule. Les lignes de texte comme ça, c'est pas très pratique. Ouais, mais... Si je le fais pas, ça veut dire que j'aligne tout ici et on perd beaucoup de place. Et dans une interface de productivité, je suis plutôt ok avec mes clients qu'il faut garder, optimiser l'espace, quoi. Honnêtement. Et tu l'as dans beaucoup de trucs, des trucs comme ça. Je pense que sur Twitch et sur YouTube, ça fait ça aussi. Hein. Ah, moi, le 1,9, je l'avais mis ici, mais le client, il veut ici, donc... Moi, j'écoute mon client aussi, et je respecte ses choix. Vidéo tiltle, who can be displayed maximum on two line. Voilà. Voilà, voilà. Indenté. Ça va indenter sur les deux lignes. Non, l'idée, c'est de pas indenter sur les deux lignes, justement. Et là, on va mettre un line 8 de 24. Voilà. Comme ça, c'est bien carré par rapport au 24 ici. Ouais, c'est bien. Hein. Voilà. Merci pour le tips. C'était une bonne idée de faire ça. Et juste là, ce que je vais faire, c'est que ça... Je vais le mettre là. Je vais mettre thumbnail detailed text thumbnail detail duration. Voilà, on va ranger. On commence à ranger un petit peu. Et ce qui va me permettre de prendre ça, de le mettre là, de le mettre là. Et comme ça, à chaque fois que je modifie, ça modifie les deux. Juste là, c'est quoi le setup? Peut-être qu'il me faut une hauteur un peu plus élevée, quoi. Oh non. Ah non, surtout pas. Attends, je vais mettre en hug. Attends, quoi? Ah non, ok. Imaginons, on met 400. Mais ça, c'est 242. Ok, 400, c'est un peu beaucoup. On va mettre tac, tac. Ouais, 360. 1, 2. Comme ça. Le pouce-ongle, le thumbnail. Salut, Groug. L'icône du carré flèche au bout de la ligne n'est pas alignée avec le texte, c'est normal. On va voir ça. Du coup, on va ici. Étant donné que ça s'est passé sur deux lignes, ça peut faire boom. Voilà. Et surtout, dans cette version, ça peut faire bam. Si je me fais bien comprendre. Ce qui fait que quand on va passer la souris, ça apparaît. Pour moi, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. C'est parfaitement ce que je voulais faire, mais... Et ça ne marche pas en responsive parce qu'il faut qu'on adapte la hauteur de nos petits carrés d'amour. Et ils sont ici. Boum bim bam boum bim bam bam bam. Il y a des gens sur YouTube, ils m'ont dit oh, t'aurais dû faire une variable qui gère la hauteur et la largeur automatiquement. Ah oui, c'est pour ça que j'avais mis en fil. Ok, je viens de comprendre.
Je viens de comprendre pourquoi c'était fait comme ça. Pour qu'on puisse nous-mêmes stretcher. Ah, ok. Ouais, les gens, ils m'ont dit que t'aurais dû faire la variable directement, genre divisé par 5 pour faire 5 colonnes et tout. En vrai, peut-être, oui. Mais ne le faites pas parce que moi, je vais juste designer 2 pages. Donc, j'y aurais perdu du temps à faire un genre de code automatique. Par contre, si vous devez faire une appli qui change de layout à l'infini, vous avez des milliards de pages, oui, vous pouvez passer du temps à coder un peu les variables, tu vois. Mais sinon, ne le faites pas, quoi. Mettez votre temps où ça a de l'intérêt. Tu vois, là, je l'ai fait vite fait et c'est fini, quoi. Et le projet, il est fini demain, donc voilà. Ok. On vérifie tout. Ok, bon, on va faire un léger effort de remettre des... Alors pourquoi d'ailleurs, je comprends pas pourquoi mes multipliers ils ont disparu là. Attendez. Je prends ça. À dégager. Je supprime le composant. Ici j'ai wall. Je viens le remettre ici. Comme ça j'ai mes multipliers qui sont revenus. Et je vais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et comme ça, j'ai retrouvé mes multipliers. Comme ça, les multipliers, ils disparaissent pas. Ils ont tous des couleurs différentes, ça fait plaisir. On va essayer de faire pareil pour l'autre. Alors l'autre, il a perdu les multipliers parce qu'on ne les a jamais fait, donc il va falloir les faire. Voilà, et là, on avait regardé les deux lignes et tout. Donc là, les multipliers. C'est quoi les modifications et retours clients du jour? Alors bah, je les ai dit déjà un petit peu. On a changé la couleur des multipliers pour que ça redevienne celle de l'outil actuel. Pour justement que les habitués du plugin ne soient pas dénaturés. On a changé ici le layout de la card qu'on est en train d'appliquer. Le bouton random a été validé. On fait un peu de clean en fait. Le bouton random a été validé. Ce sera celui-là. Ça, je sais pas pourquoi je l'ai pris. On va cleaner un peu tout. On va s'occuper de la recherche. On va s'occuper de la navigation aussi, juste après. T'inquiète. Bon, j'avoue, je l'ai dit au fur et à mesure, là. Voilà. Et quelqu'un m'a dit dans le chat, tu veux pas rendre la hauteur des cartes dynamiques? Bon, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que tu peux pas faire que le ratio de ça soit fixe, plus la hauteur soit fluide. Ah. J'entends le chien qui aboie. Peut-être que je vais aller voir. Et donc ici, on va se casser les pieds à mettre des multipliers différents. Donc, est-ce que je vais faire ça? Over no selected no. Alors selected, ça n'existe plus. Attendez, mon chien aboie, faut vraiment que j'aille voir s'il n'y a pas de livreur. Les amis, j'arrive, il y a 2 livreurs chez moi différents qui sonnent en même temps, c'est du jamais vu. OMG le word art, voilà. Maintenant vous pouvez en faire, on écrivait comme ça, on mettait je Idnama, comme ça, boum, et on mettait ça dans notre présentation. Voilà, pour ceux qui se souviennent, il y avait aussi le petit truc jaune ici pour rotationner, pour changer l'angle et tout. Et donc c'était ça les word art. Voilà, il y en avait plusieurs. Hein. C'était vraiment banger. Voilà. Avec les différents paramètres et tout. Ça fait des petits papillons dans le ventre de l'époque du collège, c'est un peu ça, ouais. Et donc voilà, il y avait plusieurs word art, des plus ou moins flippants, mais voilà quoi. Voilà ce que c'est les word art. Et pour ceux qui connaissent un peu les word art, je voulais vous montrer une petite technique un peu rigolote. Pour refaire les word art sur Figma. Voilà. Et donc, ça se passe ici. Pas du tout. Ça, c'est Bourse aux banques. Ça se passe ici avec un petit tuto de vie. Tu l'as vu ou pas? Bien sûr que je l'ai vu, et trop bien. Bang, bang. En vrai, des subs pour la surprise, des subs. Le bruit que t'as fait, au début, je croyais que c'est mon chien qui pleurait. T'as fait... Mon chien, il s'était coincé la patte. J'ai fait littéralement...
for you. Ah ok, avec le cas, j'ai pas entendu. T'as du taf, c'est après-midi toi? Ouais. Du coup, on se rejoint à 17h30. Bonsoir, j'adore. Oh! Salut, bande de nazes! Allez. Allez, c'est trop pour moi. Nouveau logo de Patreon, les amis. Bah écoutez, on se lance direct. Il y a un serpent sur le micro. Où ça? Le serpent. Le serpent m'a mangé, la team. C'était même pas pour moi. Le raid en pleine Bastipause. Merci Velvet pour le raid. Comment ça va Velvet? Désolé, un livreur qui vient de popper. Salut Forgeris. Bonjour Velvet Zouz. On est en train de travailler sur un design pour un client qui s'appelle One of Ten. Désolé, j'ai couru. Je sais plus ce qu'on faisait du go. Ah oui. On va exposer des ça. On va le rendre dispo. On va faire Nested Instance. Tac. Coef. La title. Vidéo. On va mettre title. Title. On va faire channel name. Ça s'appelle des variables. Non, ça s'appelle pas des variables. Ça s'appelle des component properties. Je mélange tout. Merci Velvet. En tout cas, tu faisais quoi ce matin, toi? Ça, on peut aussi linker la visibilité de ça. Donc, on va sur le petit œil. Et on met. External, on va le mettre à false. Voilà. Et normalement ici, on peut faire external comme ça. Et donc ici, on va exposer des nested instances qui seront le coef. C'est tout. On peut pas exposer les textes. Bizarre ça. Peut-être qu'ils sont automatiques. Ah oui, ils sont automatiques. Ah oui, ça a tout mis. Très bien. Ce qui fait que maintenant, quand on va aller sur la miniature, on la prend comme ça, on peut directement mettre les coef comme ça. Afficher le external ou pas et tout. Et changer le vidéo title. Ça va aller beaucoup plus vite que double-cliquer 15 fois. Et on peut même faire du multi. Ah non, on peut pas. Ah, ça, je suis deg. On peut faire du multi. Au moins, ça va plus vite, quoi. Tac. Tac, 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 tic, 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 touc, tic, et touc, voilà. On en fait un max. Et maintenant que c'est fait, on vient supprimer ça. Je vérifie que j'ai bien tout fait. Peut-être en changer encore un ou deux. Et maintenant que ça me plaît, je copie. Je copie. Je colle. Et je fais passer la grille à 5. Si je sais cliquer. Qu'est-ce que vous faisiez de beau chez Velvet alors? Il y a un nouveau logo One of Ten. C'est moi qui l'ai fait de façon tout à fait random. Et je me suis fait un peu avoir, entre guillemets, mais en vrai, ça va. C'est que le client m'a dit, on peut l'utiliser ou pas? Enfin, moi, j'ai dit, bah, en vrai, ouais, j'ai pas envie d'être un bâtard, tu vois. Je fais, oui, bah, allez-y. Mais vous pouvez aussi me l'acheter, quoi. Je peux vous le faire et tout, vous le nettoyer. Ils m'ont dit, on va réfléchir. Moi, j'ai dit qu'ils pouvaient l'utiliser, tu vois. Bah si je vous le nettoie et tout, je vous le clean genre pour 100 balles je crois j'ai dit. Et là ils m'ont dit non. Du coup je me suis un peu niqué. C'est pas grave. J'accepte. J'accepte mon sort. On regardait un docu sur l'addiction des biscuits. Des biscuits? Comment ça?
Non, après, c'est le jeu. C'est moi qui ai dit que je le donnais gratos. Donc, bon, j'avais qu'à pas le dire, quoi. Mais je pensais qu'après, j'allais dire, bah, je vous le clean pour 100€. Ils allaient dire oui, tu vois. C'est pas très grave. Le fil d'Ariane, pareil, je leur ai montré. Je leur ai dit, vous voulez que je le fasse pour X€, je sais plus combien. Ils m'ont dit non plus. Donc, je l'enlève. Le side panel. Zébardi. Ça dégage. On va cleaner ça. Side panel, encore un autre. Detail side panel, ça dégage. Ça, faut qu'on s'en occupe. Tiens, on va repasser un peu en light mode. 100 balles les radins. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Je fais pas vraiment ça pour l'argent non plus, tu vois. J'ai bientôt fini en vrai, ouais. Je fais pas vraiment ça pour l'argent. Je fais aussi ça pour créer du contenu, tu vois. Il était trop bien le side panel. Ouais, mais ça leur correspond pas. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, pour payer le logo. Hein. Après, le logo, bon, voilà. C'est pas non plus dinguerie, quoi. Mais je l'aurais bien amélioré, quoi. Ça a donné faim. Putain, j'ai faim, ouais. Alors, le stepper, c'est top. Navigation link. Alors, la navigation, j'ai discuté, j'ai dit qu'elle était trop complexe. Find a video or channel. Voilà. Non, pas le side panel. Ouais, mais ça leur correspond pas pour la navigation, quoi. En tout cas, je suis content, ils aiment bien mon petit background avec les petits points et tout. Du coup, j'ai négocié pour que affiliate et tutoriel, ça dégage dans le compte. Donc ça, c'est cool. Bon, après, dans le compte, je sais pas ce qu'il y a en vrai. Il y a rien, en fait. Billing, peut-être. Du coup, on va rajouter My Account. C'est la musique de Zinzin. Billing. Je fais un fake truc parce que du coup, je sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà, ça ressemble à ça, un petit side panel, quoi. Éventuellement, on peut le faire un peu plus joli avec au-dessus, ah, pardon, non. Au-dessus, un petit basti comme ça. On met genre basti UI premium plein. Premium. Hop. Tac. Menu de fou. Bisous. Premium. Tu es premium et vous? J'ai un compte premium, moi. Ça, c'est quoi ce bouton? Voilà. Alors, juste. Ah oui, il y a 24 de marge. Voilà. Voilà. Donc ça, boum. Voilà, quoi. Menu, account. Hop. Prototyping. Over change to. Pourquoi ça marche pas ça? Je l'ai merdé. Pourquoi ça marche pas? Account change to. C'est bien. Qu'est-ce qui va pas du coup? Pourquoi il y a un point d'ascension? Hein? Pourquoi il aime pas?
This interaction will not trigger as interaction on instance are triggered before inherit initiation. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas. Pourquoi il veut pas faire ça? Reset all changes. Aïe aïe aïe, le leak. C'est leaked. Désolé, je lisais pas le chat. Grou grou. Profile pictures. Bon, alors, qu'est-ce qui va pas dans ce while hovering? Je comprends pas en vrai. Là, il est bien. Et là, qu'est-ce qui va pas? Mais. Quoi? Je comprends pas la team. Reset all. Non, il veut pas. Quoi? Petit menu temporaire. Voilà. On va lui mettre le petit corner smoothing. Voilà. On va mettre tout en fill container. Voilà, et ça, voilà, j'ai un peu abusé. Voilà. Nickel, on va mettre le background 1, et pourquoi pas une strokes en background 2. Voilà, c'est clean, c'est voilà, juste histoire de... Ok, il y en a un parmi vous qui ont déjà designé des sites qui ont gagné des awards. Ah ouais, on a déjà eu des gens, ouais. La Chrome extension pour la download. Et du coup, on va juste réorganiser un peu la barre qui est un peu genre hyper large et tout. Donc pour cela... Alors, est-ce que ok, il n'y a aucun espace là. Ok, ici c'est en cop, ça on va augmenter ici pour éviter que tout soit trop serré parce que c'est difficile à lire. Voilà.
Et le Chrome Extension, on va le traiter différemment. Peut-être comme un CTA secondary. Parce que c'est pour download la Chrome Extension. Ça fait chelou quand tu ouvres ton mini profil. Pourquoi ? Pourquoi Chrome Extension n'est pas à côté des deux autres ? Bah, je suis en train de faire. Du coup, c'est un bouton pour download. Chrome Extension, je pense que ça devrait être traité comme un bouton secondaire, peut-être. On va tester. Alors, CTA. Pourquoi il n'y a pas de rollover ? Hein ? Ok, il y a aussi le bug. Button. Ah, mais ça se met pas à jour. J'ai pas de rollover sur button. Alors que normalement, si. Ils sont là. Ah putain, c'est parce que. C'est parce que le fond est la même couleur, c'est ça ? Oh putain. Ouais. Ok. Chrome. Alors, est-ce, comment on peut jouer ? Vous savez les sites où il y a le petit bouton pour download la Chrome extension, là ? Comment on pourrait faire pour que ça se voit, mais pas trop ? Bisous l'ours. Bonne app. Et on va aussi faire un autre truc pour que le Surprise Me reste bien au centre. Ça, ça fait du coup 407. On va mettre... Ah merde, je suis con. Ici. Ça fait 407. On va mettre... 400 et 400, comme ça le recherche sera bien centré. Chrome Extension, le petit bouton pour télécharger la Chrome Extension, est-ce qu'on met le petit picto Chrome ou est-ce qu'on fait un truc comme ça pour les outils? Ou est-ce que je vais dire, est-ce qu'on a un exemple de ça? Get Chrome Extension, qu'est-ce qu'il y a comme site qui fait ça? Get Chrome Extension avec un petit picto. Un peu comme Get App Store ou quoi. Ah, le petit puzzle. Dans les sites d'outils, il y a souvent ça, quoi. Get Chrome Extension. Non, j'ai la berlue, ça existe pas. Qu'est-ce qu'il y a comme outil qui fait ça? Non, c'est pas intégré à Chrome, faut appuyer sur un bouton pour que ça s'installe. Redimension, c'est ça? Tu me proposes un outil, ça? Igral, oui, par exemple, Igral. Qui sponsorise cette chaîne, pas du tout. Je vois pas où est le bouton Chrome Extension, par contre, alors là... Il n'y a pas de bouton Chrome Extension. Oné. Oné, c'est quoi? C'est une banque? Ah non, c'est des réductions. Ajouter gratuitement à Chrome. Ouais. Mais c'est pas dans la nav. Ah si, voilà. Installer gratuitement. Tu devrais ajouter l'icône Google Chrome. Bah justement, c'est ce que je suis en train de me demander. En regardant un peu ce que font les autres. Mais oui, je peux mettre... dans le footer. Non. Non plus dans le footer. Ajouter gratuitement à Chrome. Tango US. Install free extension. Login, install free extension. Ça bouge. Install free extension, c'est pas mal ça. Faudrait ajouter juste une bordure au bouton. Oui, bien sûr, mais une seconde. Ajouter à Google Chrome. Je regarde juste s'il y a un picto avant. Et si je me login? C'est quoi ça en fait? Create how to gain. Attends, je me login juste pour voir. Je crée un compte. Wanted, c'est dans la nav. Ah, wanted, je vais regarder. Wanted.
Je m'inspire. Je sais pas ce que c'est Tango. Comment je fais? Au secours, je suis dans un onboarding de merde. Oh merde, j'aurais pas dû faire ça. Get the extension. Alors j'ai get the extension avec un petit truc à l'écart. Sympa. Ok. Alors on avait quoi sinon? Wanted. Ecosia. Ajouter à Chrome avec des sparkles. Ok. Ok. Bon, il y a pas beaucoup de monde qui met le truc en anglais, mais install free extension, c'est bien. Install Chrome extension. Et effectivement, on va faire un secondary. Ça c'est quoi? C'est le reversed. Et on va faire default over. Ah, c'est pas du tout bien fait. On va rajouter donc name égale level default. Là, on va mettre reversed default. On va mettre default secondary. Et je sais pas, on va lui faire un design de base pour l'instant. Mais oups, pardon la team. Pardon. Tango te fait danser, bien sûr. Oh, pardon, je dead. Ah, je suis mort sous vos yeux ébahis. Tes souhaits, merci. States level secondary. Ok. Et on va lui faire un over aussi, monsieur. Donc default et on va mettre over. D'ailleurs, à ce sujet, on va mettre ça en premier. Level, merci, state. Oula. Default. Over, bon, on va faire ça pour l'instant. Reversed. Foreground reversed. Ah, j'ai pas changé le prototyping. Voilà, on va faire ça pour l'instant. Un choc. J'ai un choc. On a tout reçu, désolé. Ouais, c'est très bien. Beaucoup plus clean dans la navigation. Alors le bouton filter, j'avais proposé de le bouger pour mettre le feed add, mais ils ont pas voulu, donc on va laisser comme ça. Bah. Quoi? Pourquoi ça se met pas à jour sur toutes les pages? Vous voulez que je pète un câble ou... Ah, je l'ai pas modifié là. On va devoir faire. Push changes. Mmh. Plus de marge entre le menu et le logo. Comment ça? Ah là, oui, je l'ai posé comme ça. Je l'ai posé au pif, mais ouais. Custom position. Let's go with 8. 8. Wow! Let's go with 8. Ça se met rarement, ouais.
Écoutez, la team, en vrai, du coup, là, moi, j'ai bon, arrive à me rester sur le devis, du coup, la page. Je pense que j'ai fait tous les retours sur cette page-là. On va ranger un peu les composants. Ça, c'est tout ce qui concerne les thumbnails. Ça, c'est tout ce qui concerne la navigation. Navigation. Ça, c'est tout ce qui concerne la navigation aussi, c'est les filtres. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, l'ambilight, on l'utilise plus. Et ça, c'est le truc commun, donc le logo, les icônes. Et ça, c'est les CTA. On rangera tout ça sur une page composant à la fin. Et ça, c'est le header, et c'est pas mal. Et il nous reste, du coup, à définir comment on organise tout ça. Alors, en vrai, ici, filter bar, Wunderbar, je vais la sortir aussi dans les composants ici. D'ailleurs, je vais les regrouper dans une section. Pas, c'est super. Ah. Une section qu'on va mettre avec un fond, comme ça on arrêtera de rien y voir. On va l'appeler bar. Mettre de la marge. On va l'appeler balls avec le fond blanc. Salut pique-nique. Voilà, mettre même le blanc transparent. Ok. Et donc, il y a un truc qui cloche, c'est que quand on va rentrer dans une page qui aura un titre, que ce soit une page de recherche ou autre, genre par exemple miniature propre, le bouton filter, il peut plus être là. Parce que je pense qu'on va mettre le titre, tu vois. Et du coup, je me dis le bouton filter va finir à être plutôt à droite. Et du coup, on va refaire l'interface. Même si c'est moins élégant, mais bon, faut bien qu'elle soit fonctionnelle un jour. Je pense que ce bouton filters ici n'a pas lieu d'être. Au revoir. Au revoir le man. Salut le man. Salut mon pote, comme dirait l'autre. Et il va falloir retrouver une autre approche. Je dirais peut-être un truc comme ça. Alors du coup, il est arrondi, il va directement passer en CTA du coup, et en CTA de level reversed, qui a disparu, c'est impeccable, qui s'est passé, level reversed, merci. Voilà. Et ça, on va le redesigner, le changeur de look. Tu as une question de Vito Miracle. Salut, c'est compliqué à refaire l'animation de ton bouton surprise. Bah là, j'ai utilisé une vidéo. Donc, c'est pas compliqué. En code, tu peux utiliser un dégradé ou simplement une image qui bouge. Je pense que c'est pas compliqué, perso. On est en train de travailler pour un de mes clients. Pour un projet qui s'appelle One of Ten. Alors on va redesigner lui. Pour l'instant c'est deux CTA qui sont posés comme ça. On va plutôt faire ce look là je pense. Comme ça. Et on va juste faire en sorte que les CTA ils fassent ça. Perdu l'autre côté. Ça. Impec. Du coup là on a 4-4-4. Là on va mettre 4-4-4. Et pour finir, on a un arrondi de 16, et du coup à l'intérieur on a 16 moins 4 égale 12, c'est bon nous. Voilà, et ceux-là, est-ce qu'ils sont pas trop espacés, on va voir. Ah ! Non c'est bon. Ok, c'est bien homogène, j'aime bien. Et le filter en mode le truc principal, quand on clique ça ouvre un panel à droite pour filtrer. Franchement, c'est clean.
Et là, t'as les trucs de recherche, tu vois. Et là, c'est ça qui... Le titre sera là, en fait. Donc, c'est clean de fou. En vrai, c'est clean de fou, je pense. C'est le plus logique. Je pense qu'on peut réduire un tout petit peu la densité. Augmenter la densité. Oh, bien. Vous êtes bien, je pense. Tu peux faire un effet de slide du selected. Selected, je sais pas ce que c'est. Ah, là! Oui, si tu veux. On peut faire ça. J'ai un peu la flemme parce que du coup ça va casser mes CTA, mais on peut le faire, en théorie. Parce qu'en fait là du coup j'ai des rollovers avec mes CTA. Je peux le faire. Hein. Mais après c'est parce que tu me chauffes. Regarde. Déjà ça, on va les délinker de leurs composants. On va enlever tout le superflu. Voilà. Et on va tout mettre les icônes en foreground du coup. Le tout ça va être de réussir à le faire en dynamique. Donc là c'est bon. On peut même retirer ça. On va même retirer globalement l'auto layout histoire de pouvoir tout faire en fixed. Voilà. Donc là on a right, left, on trace un rectangle. Ok. On retire 8. On divise par 2. On retire 8. On met 4. Donc ça sera notre selected. Hop, et on va utiliser la différence. Oh, ça marche pas. Oh, j'arrive pas à faire un invert. Oh, je suis deg. Je pensais que différence ça allait rendre le truc blanc. Je suis bête ou pas? Bon, bref, faudra trouver un truc. Pour le faire, mais là, apparemment c'est pas ça. Je pensais que... Pourquoi ça inverse pas la couleur de ça? Ah, c'est peut-être eux qu'il faut mettre en... dans ce sens-là. En... C'est eux qu'il faut faire en invert. Attendez, je suis peut-être bête. Je suis beuteux ou pas? Suis-je beuteux? Ah non, ça marche pas. Comment on peut inverser? Salut Clareg, je cherche juste à faire genre une différence. C'est comme quand tu fais un négatif en photo, en Photoshop quoi. Je vais le faire en debug déjà. On va le faire en debug juste pour l'animation. Du coup, je me demande comment on fait. Vous savez, genre tu mets un layer noir et tout devient, le noir devient blanc et vice versa. Tu vois, c'est ça que je veux faire. Bref, on va mettre. View. Oh, cette musique. Select View. Bref, l'animation c'est ça quoi. Mais j'aurais aimé ne pas changer la couleur du picto et juste que ce soit ça qui vienne switcher, tu vois. Parfait, si tu trouves mode de fusion, bah je pensais aussi. Mais en fait non. Je croyais que ça marchait, mais... Putain, je pensais que différence, ça faisait ça, moi. Je suis bête. Non, différence, ça fait rien. Bah écoutez, fail, hein. Donc c'est pas comme ça. Bah du coup, je vais devoir le faire de la méthode moins bien, mais... C'est-à-dire juste en changeant les couleurs des pictos, mais moi j'aurais voulu que ce soit une inversion globale, comme ça j'aurais juste eu à rien faire. Tant pis. Alors, du coup, ça c'est BG Reversed. Et puis du coup, bah je change la couleur à la main, mais bon. En foreground reverse, mais bon.
différence, mais avec le select en blanc. Non, ça change rien. J'ai déjà vu sur des livres de composants iOS une petite barre en bas de l'écran, mais j'ai jamais trouvé comment il arrivait à le faire. Je crois qu'il y avait un masque de fusion. Ah ouais, non, ça je vais pas faire. Mode de fusion, ouais, mais masque, non, je vais pas faire de masque. Bon, écoutez, je l'ai fait, on va dire, manuellement comme ça, du coup, mais bon. C'est un peu dommage. Voilà. Ah! Tu m'as fait giga peur, premier degré. Du coup, on va attendre, on va écouter Wonderwall en triste pour te punir. Wonderwall en triste pour vous punir la team. On dirait la négative harmonie, c'est littéralement la négative harmonie. Exactement. C'est bien elle. On l'embrasse d'ailleurs. Tout le monde. C'est cosy, mais c'est négative harmonie, quoi. Testons. Banger. Merde. By now you should have somehow realized what you got to do. Toxique, ça sera la meilleure négative harmonie, c'est horrible. J'ai pas, genre, j'ai pas mis de on click en vrai, mais bon, on va le faire. C'est quoi ça? Où ça va ça? Oula! Ah bah oui! Eh, en fait, faut pas que je mette de on-click en fait. Parce qu'au final, c'est pas moi qui vais mettre les on-click. Pourquoi y'a pas de on-click là? Je le rajoute. Ok. Et là, la couleur du hover. Hein. Gonna be the one that save me. L'over ne marche plus. Bah écoutez, je suis hyper content la team. Pourquoi? Ah si, voilà. You're gonna be the one that save me. Ça rend fou, non? D'ailleurs, c'est quoi le hover du bouton C'est quoi ça? BG2. Ah, go BG2, hein. Ah bah c'est bon. Save me. Bah. Quoi? Mais le hover. Ah, je l'ai mis au-dessus. Voilà. Bonjour Basti, je découvre ton travail, c'est très intéressant. Je travaille sur un projet de lutte contre la précarité étudiante via une application mobile, mais ayant aucune compétence en dev, je compte le faire réaliser. Si je venais à te contacter pour te proposer ce travail, quels sont les éléments qui te permettraient de proposer un devis complet pour me permettre d'avoir une idée même grossière pour le travail sur la faisabilité technique et financière du projet? Sorry pour le pavé. Bah écoute, moi je... Je suis pas développeur, je suis designer, mais si je peux t'aider à faire du design, pourquoi pas? Écoute, cette musique, elle rend trop heureuse.
comment ne pas te louer Trinix Remix. Après, je sais pas si c'est DMC ou pas ta musique. Ça fait plusieurs fois que je te vois faire ça. C'est quoi les objets invisibles que tu crées? C'est pour faire des hovers sans devoir multiplier plein de versions. Je trouve ça trop bien. Merci 8 Studio. Merci 8 Studio pour ton abonnement. N'hésitez pas à vous abonner la team. On est 448. Nous fume 500, nous fume 600, nous fume presque 650. Donc si vous voulez soutenir la chaîne et mon travail en live, n'hésitez pas à lâcher un abonnement, ça coûte 4€ par mois, ou à lâcher un Prime, c'est gratuit si vous êtes abonné à Amazon. GG pour les 100k mec, c'est le mec en retard. T'as la ref ou pas? Bravo Justin, bravo pour les 100k. En plus je vois que c'était hyper serré parce que tu les as eu il y a pas longtemps. La dernière ligne droite était giga serrée en tout cas. Merci Biscuits pour ton Prime. N'hésite pas à t'abonner Justin bien sûr avec ton Prime Amazon ou ton abonnement à 4€ par mois bien sûr. J'ai écouté ton podcast sur le freelancing. Du coup j'ai appris que t'avais revu ton TJM à la hausse avec ton agence Behind the Skills. Et je faisais partie des gens qui t'avaient dit, bon pas en commentaire de ta vidéo mais qui t'avaient dit en off, que tu pourrais être payé plus cher pour ton savoir-faire. Donc premièrement je suis très content et deuxièmement abonne-toi maintenant que tu es riche. Merci. Merci beaucoup. Alors on va binder maintenant notre nouveau toggles ici. Notre nouveau toggles. Donc celui-là, il va vers... Non. Celui-là. Et il faut qu'on le mette en smart animate du coup pour qu'on voit l'anime. Mais tout va s'animer du coup, ça va être horrible. Ok. Je pense que ça va être horrible parce que tout va s'animer donc ça va être immonde. Je suis un gros noob de Twitch, je suis abonné à Prime, je ne vois pas comment offrir un Prime. Alors tu peux pas offrir un Prime mais tu fais point d'exclamation Prime pour avoir le tutoriel. Tout est expliqué et en fait il y a une petite checkbox quand tu cliques sur s'abonner. Et en fait ça va marquer s'abonner avec Prime. C'est ça l'astuce. Comment ça va Justin? Voilà l'animation vous avez vu. Comment ça va Justin? Tu fais quoi de beau aujourd'hui? C'est vendredi, c'est le jour YouTube là. Si je puis me permettre hein. Je crois que c'est le jour YouTube. Ça bosse sur quoi? Autre que sur Fur bien sûr. Si tu bosses sur Fur ne me le dis pas. Ça, hop là, ça va là. Et celui-ci, de toute évidence, ici. On teste. Voilà. Bon ça fait un flash parce que tout s'anime en fait. Je peux pas animer que celui là-haut. Donc c'est un peu chiant j'avoue. C'est le jour YouTube, je vais tourner un TikTok globalement. Ah, TikTok sponsorisé peut-être. Ah, quoi? Ah oui, c'est parce que j'ai pas mis à jour. Parce que tu tournes pas de TikTok, toi. Sans vouloir te vexer, toi, tu fais des TikTok recyclés. Donc si tu tournes un TikTok, c'est que c'est sponsor. Je colle. C'est mon bête. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour enlever ce flash blanc? Je pense qu'il faudrait juste à renommer. Ici, ça s'appelle Wall. On va l'appeler Wall 1-1. Non, on va l'appeler 4. On va l'appeler Wall 4. Wall simple 4. Et là, on va l'appeler Wall simple 5. Et là, on va l'appeler Wall Detail 4. Et je pense que juste le fait d'avoir changé les noms, peut-être qu'il va pas essayer de les animer. Et peut-être qu'on va se séparer de ce flash blanc pourri. Non. Non, parce que forcément... Ah, si là, ça le fait pas. Ah, c'est normal, il n'y a pas d'animation là. C'est chiant. Bête juste, c'est bon. Bah non, je peux pas. En fait, ils vont toujours partir en fondu. Ils vont tout le temps partir en fondu quand tu mets du smart animate. Donc le fait d'avoir voulu animer ça, j'ai ce petit flash blanc forcément. Mais bon. C'est comme ça, hein. Vous m'avez fait chier pour faire ça, j'ai fait ça maintenant. C'est une dinguerie. Tiens, on va faire les filtres. Vous allez voir, ça bangle. Voilà, j'ai fini.
Ça, c'est les filtres. On va repasser un peu en dark mode. Trop stylé l'animation du toggle, merci. Si jamais j'ai un retour du client sur ça à cause de vous, je vous fume. Je vous déglingue la team. Aux deux actions, move up et move down. Mouse up et mouse down. Salut Louis, merci pour le prime. Merci beaucoup pour le prime, t'as réussi. Non, ça changerait rien, mouse up et mouse down. C'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse un 9 heures délai et changer d'artboard, c'est une catastrophe. On va prendre le filter ici. On va faire boom. On va faire open overlay. On va faire un overlay right. Right. Top right, pardon. Tac, tac. Et on va assombrir l'UI design. Comme ceci. On peut prendre la bonne couleur du noir, ça fait pas de mal. Apparemment, si, ça fait du mal. Apparemment, je peux pas le faire. Quoi ? Ok, ça marche pas. J'aime beaucoup ça, en tout cas, la team. J'adore quand ça marche pas, moi, c'est vraiment... de haut et là ça change de hauteur, ça c'est pas bien. On va le bloquer à 96 de haut pour éviter d'avoir des trucs qui bougent. Très bold, bold tous les jours, extra bold. Non, oh merde, j'ai fait quoi là, qu'est-ce que, oh merde, genre imaginez ici genre page title bookmarks. Merde, c'est pas le bon. Voilà. Ça n'a pas mis à jour. Parce que je l'ai pas fait en fait. Et là, on va prendre la variante stack. Page title. C'est bien en vrai. C'est logique en plus. Semi-bold. Oh. Je vais vous fumer, vous. Donc, ça, on va essayer de le faire démarrer à l'exacte même position que tous les autres, c'est-à-dire à 208 du plafond. Comme ça, l'interface, elle va être carrée, mon pote. Petit joint de rue. Franchement, j'ai pas l'impression que ce soit aligné avec ça, mais c'est peut-être une illusion d'opt. Est-ce que c'est une illusion d'opt ?
si je fais ça. Il faudrait que je mette le line 8 à 48. Ça sera banger. Ça n'a rien changé. Ah oui, je sais pourquoi. Il faut mettre ça. Ça n'a rien changé. Bah écoute, c'est bon. Ça doit être une illusion. Ok. Du coup, là, c'est quoi le page title? Alors, on va renommer. Ça va être filter bar. Filter bar, on va mettre type. Tag. Type. Title. Juste une illusion, à peine une sensation. Ah ouais? Genre, par exemple, comme quoi? Si tu devais le comparer, par exemple, à quelque chose. Quelque chose, hein. Salut, c'est Mister MVR. Salut, c'est Mister MV, bonjour à tous. C'est Mister MV, ouais. Live imitation bientôt. C'est Mister MV. ça fait combien? 48. Oh, j'ai faim. J'ai faim, la team, vite. J'ai faim maintenant. Hello, hello, je suis venu casser la tassée avec le chat et la modération. Salut Kikizi. Ça, c'est en cours le live imitation là. Elle est sur miniature. Simple thumbnail. Ok, et on veut du détail. Le détail, c'est quoi? Ne me dites pas faire, bien sûr. C'est le nombre de miniatures et les éditions possibles. Mmh. 28 miniatures. Les miniatures. C'est les miniatures. J'ai mal au ventre, j'ai faim. Faut que je graille, je pense là. Faut que je passe le stream en just graying as soon as possible. Ah, je sais pas où les mettre, les petits pictos d'édition, genre. Ou alors ça, je le mets en dessous. Ou ça, on le met pas. En vrai, Osef, non? Ah, pardon. Le nombre de miniatures qu'il y a dedans. Est-ce qu'on a besoin de l'information? Mange ta main. Un retour sur la tasse. Bah, j'ai pas eu de tasse. Ah oui! J'avais pas écrit un message, non, j'ai pas eu de réponse. Ils m'ont pas envoyé la tassée. J'ai pas reçu la tassée. J'ai pas reçu la sponsor CCML. Est-ce que le nom... Salut, bonjour tout le monde, n'oubliez pas de se nourrir, permet de continuer à vivre. Merci, not to kill. J'ai vraiment faim. Ah, mais j'ai oublié que j'avais pris des clémentines pour cette occasion. Mais regardez, je suis dégoûté. Regardez la taille de cette clémentine. C'est absurde, non? Regardez. C'est une cerise. C'est un échantillon gratuit. C'est pas la taille qui compte, ok. Mais elle va être super dure à unboxer, quoi. Cerise de groupe à main. L'escroquerie. Je les trouve meilleures les petites. Ouais, mais la peau, elle est dure à... La peau, elle est plus dure à unboxer, non? Ah, ça va. Trésor 8. Il n'est pas si tard encore, ça va. Pour manger, j'entends. Je pense que cette mini clem, elle va me mettre bien là. J'ai eu presque les mêmes l'autre jour. OMG les charentaises. Merci Chantal. Live dégustation clémentine. Ouais, je pense que je peux la grailler en une bouchée. Hein. Est-ce que je la graille en une bouchée? La plus petite clémentine du monde.
Regardez comment elle est petite. Elle va être bien acide. Je la graille en une bouchée ou pas? Non, deux bouchées. Sans mâcher, non. Le fait que tu m'appelles Chantal me fout droit. C'est ton pseudo. Défi bilboquet. Ah, oh, j'avoue. Non, je vais faire quartier par quartier, sinon ça va être gâché. Je vais pas prendre de plaisir et le tout c'est quand même de prendre du plaisir. Je la laisse là. Non mais regardez, c'est bien en vrai. Regardez, ça va détacher les quartiers. Et voilà, salut Domingo. Pourquoi Domingo? Je repop sur ça. Allez, défi bilboquet. Vous êtes prêts ou pas? Attention. 3, 2, 1. Attendez, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir ce que ça fait. Ça va éclater, ok. 1, 2... Quoi? Clipez ça, bien sûr! Pour le rewind de Twitch, bien sûr, la Clémentine. Clipez, bien sûr. Bon, je vais la manger, j'ai vraiment trop faim. Troisième essai, main droite, supplément mandarine. Bah, vous pouvez ajouter ça au prédit, mais il me faut des clémentines, quoi. En soi, ça change pas grand-chose. Ah, elle est meilleure. Ça l'a un peu squatch. Du coup, elle est devenue un peu plus juteuse. Ok. La petite boîte de Kleenex. Sous-sous. N'oublie pas de clipper, bien sûr, sinon je passerai jamais dans Rewind. Hein. Est-ce qu'on met le nombre de thumbnails ou pas, les amis? Même. Je pense quand même. Hein. Où est-ce qu'on peut mettre ça? En vrai, ça décale tout, j'aime pas. Je le mets même pas. J'ai pas envie de le mettre, en fait. Là, c'est intéressant, mais là, je sais pas. Ah, j'ai déjà fini ma clémentine, c'est vrai qu'elle faisait 1 cm, donc oui. Effectivement, j'ai déjà fini. J'ai déjà tout mangé, en fait. Bon. On va appliquer du coup cette barre avec un titre ici. On va l'appeler Bookmarks. Est-ce que vous êtes de la team pour que le titre il soit fixe ou qu'il se décale quand il y a le bac? Je pense fixe c'est mieux, non? Genre plutôt comme ça. Il se décale comme ça. Il se décale pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bilboquet à Clémentine, merci Els. J'ai envie de voir en vrai, moi. J'ai envie de voir ce que ça donne. Désolé, je suis curieux hein, parce que j'ai pas vu, moi. J'ai envie de savoir ce que c'est. Ouais, mais il est tout bourré, lui. Il est beurré. Il est beurré, le man. Ça va éclater, ok. 1, 2, 3. Le rire de... On dirait le rire du gars qui mange des nouilles, qui fait... J'ai envie de savoir ce que ça fait. Ça va éclater, ok. 1, 2, 3... On dirait trop le gars
qui a ce rire. Un méchant d'un Disney. Eh ben, moi, je mets le clip à la une directement. Voilà, n'hésitez pas à taguer le rewind de Twitch, bien sûr. Un rire de chèvre. Il y a un remix à faire, bien sûr. Ok, et du coup... C'est un peu bizarre que ce soit fixe, parce que du coup, il y a un peu un vide, mais bon. Filter, et la vue ici n'a pas de sens. Donc ça va aussi passer en désac. Bonne année, bien sûr. Bonne santé à toutes et tous. Surtout la santé, bien sûr. Et les collections. Alors, comment pourrait améliorer les collecs? Je sais pas. Voilà. Mon nouveau rire, apparemment. How to improve the collection, guys? Déjà... J'enlève le rollover, il m'a cassé les couilles. Est-ce que c'est responsive? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. En gros... 430. Voilà. T'as toutes tes petites collecs. Tu regardes dans une collec. Voilà quoi. Le rire du Joker. Non, c'est un peu encore différent. En vrai, s'il y a une suite pour le Joker, let's go. Ah ouais. Pas bonne année à ceux qui mangent des Pimps à l'orange. Par contre, je sais plus quand j'ai acheté des Pimps. Je suis en train de faire des révélations de fou. Il y a pas longtemps, j'ai acheté des Pimps à... La cerise, je crois. En vrai, trop bon. Désolé, hein. Désolé, mais c'était bon. Pimps à la cerise, c'est bon. Voilà, je le dis. Pardon. Pardon de le dire. Je suis Mickey, pardon de le dire. On va faire comme ça, hein. Miniature prop. C'est prop. C'est prop, c'est props. Miniature props. Miniature props. Voilà, c'est props. Il y a un bug visuel, mais... Mais ça se règle pas, apparemment. Pourtant, il y est pas là, mais... Écoute... Tac, si c'est comme ça, c'est comme ça. Ah non, merde. Merci Astropouf, merci pour le Prime. Merci infiniment. Comment ça va? Attends, faut que j'arrive à... Ah merde. Comme ça, je pense. Ça bouge un peu. Merci Astropouf pour le Prime, les amis. Si vous êtes comme Astropouf et que vous voulez soutenir la chaîne, pensez au Prime, bien sûr. Merci Astropouf. Je préfère le côté gris de coller à gauche, on n'a que 3 centrés. J'ai failli rater le live aujourd'hui. Bah écoute, ça fait grave plaisir que tu sois venu même en fin de live. C'est très gentil. Voilà les bookmarks. Mais pourquoi il y a ce bug? Je pense qu'il faut que je redémarre ça. Voilà. N'hésitez pas à soutenir. Que pensez-vous des Pimps? Oh putain. Oh non. Le sondage de Zinzin. J'adore, j'aime bien. J'aime bien. Je vais pas non plus aller dire... Je vais pas non plus adorer, quoi. J'aime bien, quoi. Après, je suis pas très gâteau aussi, c'est pour ça, peut-être. Mais j'ai quand même déglagué le paquet. Bookmarks. Simple thumbnails. Ok, on va essayer de faire un truc bien. C'est que ici, pour être logique, du coup, ça devrait être la première, la deuxième, la troisième. Bon, le plus 25, c'est pas grave. Histoire d'être logique, tu vois. Oula. Ok. La première.
La deuxième. La troisième. La première. Voilà. La première. On va faire que des mini à blanches. Blanc. Blanc. Ça, ce sera genre ça. Clean entry. Ok, on va trouver des titres. Minia propre. C'est simple thumbnails. Top 2023. 10 vidéos. Donc là, c'est 7+. On va mettre Figma. Et là, il n'y a que 3 vidéos. Du coup, ça, ça fait... Merde. Ça, ça dégage. Mais du coup, ça dégage ou ça se... Ou ça fait ça. Peut-être ça fait ça, plutôt. On est plus proche de la fin que du début du live. Ouais. C'est pas encore fini. Non, on est là. Hein. Figma, 3 vidéos. Freelancing. Quatre vidéos, un cas encore particulier. Du coup, bah, on les voit toutes. Hein. Voilà. White thumbnails. 18 vidéos. Apple Videos ID and Mr. Beast. Une vidéo. J'essaye, ça fait quoi si je fais une vidéo? Oula! Si c'est une vidéo. Oups. Oups. Hello. T'as déjà la méthode de taf Pomodoro comme Trevin. T'as déjà la méthode. Je pense qu'il manque. Et toi? Ah! Est-ce qu'il manque un mot? Est-ce qu'il manque un Pomodoro dans ton dans test? T'as déjà testé. T'as déjà testé la méthode Pomodoro? Franchement, vite fait. Genre en mode, tu travailles 20 minutes, tu fais une pause de 5 minutes, c'est ça en gros. Hein. La méthode. J'ai pas excessivement testé. J'ai fait 2-3 fois pour essayer de me focus. J'ai testé. Mais j'ai pas forcément gardé, quoi, si tu veux tout savoir. Et vous? Et vous, est-ce que vous avez déjà testé ça? Cette méthode, alors méthode Pomodoro, vous travaillez par exemple une demi-heure, vous faites 5 minutes de pause, mais pendant la demi-heure vous travaillez, vous mettez un chrono et vous ne touchez à rien quoi après. Vraiment, vous ne touchez plus à rien pendant que le chrono il tourne. Vous n'avez pas le droit de regarder votre tel ni rien faire quoi. Avez-vous testé cela, la team? Ou pas? Je pense que j'arrive pas à me concentrer si je me force à travailler. J'ai testé l'inverse, et c'était pas mal, mais j'ai été viré. Ah. Hier, je l'ai utilisé en pair programming. Ok, il fait des lives. Ah, justement, c'est trop cool. Bah oui. Non, je suis trop vite distrait par les streams de Bastille. Non, mais c'est pas tous les jours. Stream de Bastille, pas tous les jours, ça va.
Il y a juste les espacements qui sont à chier, donc on va régler ça. Ici, il y a trop d'espace. Hop. Et en dessous, il n'y a pas assez d'espace. Et à gauche aussi. Bref, quoi. Voilà. J'aime bien sans background, en fait, je pense. Ouais, c'est bien. Sans background, mais ici, un background. Et le premier... Ouais. Et ici, on a mis du coup 4. Je mettrais bien 2. C'est mieux. Et je mettrais bien en outside 2 aussi. Vous allez voir, ça va être tout beau. Parfait. Comme ça, on a vraiment le truc. Moi, je peux pas. Si j'arrête, j'ai trop de mal à m'y remettre. Je préfère garder le momentum. Ok. 5 minutes de deep work et 20 minutes de pause, c'est ça? Ça peut être bien pour se donner des repères, mais trop de rigidité dans l'orga. En fait, c'est Jill en droite. Non, c'est pas Jill. C'est une freelanceuse américaine, je pense. En gros, le truc Pomodoro, j'aime bien. Mais, comment dirais-je? Je le fais sur certaines tâches. Genre, l'écriture d'un script, faut vraiment que je me mette en mode avion, quoi. Voilà. Voilà les petits dossiers de tes bookmarks. On va ajouter un bouton pour edit. Donc ici, on va choper le three dots. Alors ça, je vais le mettre dans une section pour l'avoir. Truc de nous, mais pitié, comment on fait pour qu'une image ne soit pas crop dans Figma? Genre les redimensionnements, ça me rend fou. Bah tu vas là, dans fill, et au lieu de fill, tu choisis fit ou crop ou tile, ça dépend ce que tu fais, mais moi je te conseille de laisser fill, j'aime beaucoup, mais si tu veux le désactiver dans un cas très particulier, je viens de te montrer, c'est là quoi. Je mets juste une section ici, bookmarks, histoire d'avoir juste un fond. Merci, je t'aime aussi bro. N'hésite pas à t'abonner pour montrer ton amour, bien sûr. Je vous aime tous, le chat. J'adore premier degré travailler avec vous à mes côtés, c'est très fun. Et du coup, on va prendre le petit three dots. Hop, les petites actions. Qui vont venir ici. Merci bien. Et donc, tac. Action. Merci, je t'aime. Je t'aime, Olviz. Merci pour ton tier 1. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la team. Attends, pourquoi ça fait pas... Ah, parce qu'il y a une marge. Oupinaise, bien sûr. Voilà. Oh ! Il n'y a pas de bookmark, du coup, mais... Il y a 3 petits points pour supprimer.
Tac. Très bien. Je me valide ça moi-même. Pour moi, c'est validé par moi-même. Et là, tu fais trois petits points et tu balances du genre supprimer, dupliquer, partager. Voilà. Encore merci, Olvis, pour tes 19 mois. Si c'est juste pour supprimer la collecte et pas d'autres actions, il faudrait pas une autre icône que les trois petits points. Bon, je sais pas, dupliquer, partager, il y aura plein de trucs. Et surtout, c'est pas bien de mettre trop en avant la suppression, donc c'est bien qu'elles soient un peu cachées, quoi. Mais même s'il y avait que la suppression, je t'aurais dit trois petits points, parce que ça permettrait plus tard, on va dire, de rajouter d'autres choses. Et aussi, bah, tout simplement, de pas mettre trop en avant la suppression, c'est jamais bien de mettre trop en avant la suppression, tu vois. Et là, on rename, on supprime. Bien sûr, êtes-vous... Vérifie le. Faut qu'on vérifie de toute urgence le dark mode, quoi. Parce que là, ça fait longtemps qu'on n'est pas passé dessus, donc faut vraiment qu'on aille voir. Ok, pied de page. Pied de page. Alors, il est pas designé, c'est juste que je l'ai mis là pour le mettre. Je l'ai mis cette gueule là pour bien le voir. On va voir ce qu'on fait après. Avec le PDP. Le pied d'up. Le pied d'up. Copyright, tout ça, CGU, j'imagine aussi qui sont un peu obligatoires, non? Vous confirmez, dans, on est obligé de mettre genre CGV, CGU, des trucs comme ça, non? One of ten. L'image MrBeast n'est pas full cadre. Non, parce qu'il n'y en a qu'une. Tu vois? Tu vois, tu vois. Ah oui, merde, j'ai décalé ça. Ouais. Attends, faut que je. 500. Voilà. Non, elle est pas full card, non. CGU, oui, CGV, il n'y a pas de vente. Bah, si, c'est un outil payant. C'est un outil full payant, donc il y a quand même des ventes, non? J'y connais rien. J'y connais Hertz. 1, 2. En anglais, ça fait quoi du coup CGU, CGV? Genre si on va sur, je sais rien moi. Thumbnail. Thumbnail 101, voilà, par exemple, je sais pas ça. Un site de thumbnail. Created by Joseph Blaze. Ok, c'est bien. Il n'y a pas de CGU, CGV, quoi. Shop. Non. AB, testing. Thumbnail. Il y a des outils comme ça qui ressemblent. TubeBuddy.
Made with love, nanani. Term and use, privacy. Ouais, on va faire ça, quoi. Et peut-être les RS. On va mettre les RS. Je suis sympa, c'était même pas dans le devis. Cooking. Merde. Terms of use. Conditions. C'est ok de faire payer un outil qui utilise un contenu d'autre. De quoi tu parles? Je sais pas de quoi tu parles en vrai. Promdog, hein, j'ai besoin de quoi on parle. I got the promdogs. I got very promdogs. De quoi on parle? C'est égal. Ok. Icône. Non merde. Attendez, non, on va pas faire comme ça. On va faire genre ça. 1, 2, 3, merde. 1, 2, 3, je sais pas combien il y a de RS. How many RS? Ah non, faut pas que je fasse ça. Faut que je mette un CTA. On va prendre celui-là. Ça, c'est un CTA. Ok. RS. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Des RS quoi, c'est des RS. Ça. Some RS guys. On va écrire auto ici. Google plus en premier, bien sûr. Ce sera le premier que je vais faire. N'oubliez pas MySpace, bien sûr. C'est quoi les RS, les réseaux sociaux? Tu viens de dire que One of Ten est payant, bien sûr, mais tout le contenu que tu affiches chez les mini et titres des gens sans leur accord. Ah! Ah, ça, j'en sais rien du tout. C'est public, donc je dirais non. Tu fais pas payer pour les mini, tu fais payer pour l'outil de recherche, plus qu'autre chose, donc je sais pas. I don't know, guys. Ok, maintenant, on va se téléporter dans les icônes. 8. On va rajouter quelques RS, quoi. Et là, on fait genre... Ah, pardon. Iconify. 8. Le... Une RS 8 Grinardo. Quoi? Ça va, les gars? What do you... Attends que Bassi soit payé. C'est bon, j'ai été payé. J'ai déjà été payé, c'est bon. Vous pouvez poser les questions qui fâchent. I get paid 24. Oh, c'est bon, c'est le bon format. Mais Instagram. Si je mets X, ça a marché. Ouais. X. Horrible. Horriblissime. Putain. Horriblissime. X. J'espère qu'ils sont sur YouTube. En tant que créateur de YouTube. On fait des borborigmes. Bien sûr, j'avais déjà oublié le mot, j'avoue. YouTube, ils sont sur quoi? Tic? Ça tic ou pas? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme RS? Mais le piaf. Le piaf, tu reverras jamais. Hein. Désolé. Hein. Un dernier RS où ils peuvent être présents. C'est des Américains. Ça tique pas de mon côté. Ah oui, Thread, j'avoue. J'oublie Thread. Je pense que c'est le vrai. Bon, ça, c'est pas mal. Ok, ça ira. Je sais même pas s'ils sont réellement présents là. Donc... Ok.
Ok. RS. Insta. RS. X. RS. YT. RS. Tic. RS. Soled. Merci Conify. La bise. Alors. RS. X. RS. Threads. RS. Insta. RS. Tic. RS. YouTube. Donc je pense qu'on peut dire que genre YouTube. Et ça part en prod. Bon, c'est un petit footer, ils mettront ce qu'ils veulent dedans, mais au moins il existe. Voilà, et je vais enlever le fond maintenant que c'est fait. Et voilà. Petit footer à la noix, mais comme ça il existe. Voilà. C'est des. A short hike, ouais, j'avoue. Un peu badant en vrai, mais hors contexte. Mais c'est très relaxant malgré tout. Ça a un mood.